Et salut tout le monde, c'est Just Emerald et aujourd'hui je vais vous parler de ce petit bijou qui m'est aujourd'hui très utile. Et salut YouTube, et aujourd'hui je vais vous parler de mon bracelet connecté. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de ce petit bijou que j'utilise quotidiennement, qui m'est très 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 utile. Et franchement, c'est hyper pratique. Donc pour vous faire grosso modo le tour, vous avez un bracelet qui se change, vous pouvez acheter d'autres couleurs. Ici vous avez bien l'appareil connecté, avec les capteurs ici présents. Et puis il vous suffit juste d'appuyer sur le petit bouton que vous avez ici, hop, et vous avez plusieurs fonctions. Vous vous doutez bien que c'est un bracelet connecté et qu'il suffit tout simplement de télécharger une application qui permet de connecter sa montre. Moi j'utilise Verifit Pro. Bien évidemment, dans le guide, il vous propose déjà une application, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez très bien en prendre une autre qui vous conviendra sûrement mieux. Pour utiliser votre montre et l'application, c'est très simple. Il vous suffit de la télécharger. Ensuite, il vous suffit de synchroniser la montre. Et bien, l'application vous propose plusieurs options, comme le nombre de pas, le sommeil, les calories, le battement du cœur. Vous pouvez faire plusieurs activités comme les foot, la marche, ou encore le vélo. Vous pouvez régler des alarmes, donc la montre va vibrer pour vous réveiller. Vous pouvez mettre en silencieux, vous pouvez aussi avoir des notifications de SMS ou même de réseaux sociaux, par exemple comme Instagram. Lorsque votre montre n'a plus de batterie, il suffit d'enlever le bracelet et de connecter l'appareil à votre PC. Un voyant rouge va s'allumer et votre montre va vibrer, ainsi qu'une petite batterie avec des bulles va s'allumer. Lorsque votre montre est chargée, le voyant s'éteint. J'ai tellement utilisé ma montre, même je la garde même quand je dors parce que je voulais tester sur l'application. Vous savez, il y a le sommeil. Et en fait, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai eue. Et le petit point négatif quand même que j'ai sur cette montre, c'est qu'il commence à avoir des traces noires. Mais bon, je pense qu'il faut que je lave le bracelet parce que ça fait un moment que je l'utilise. Il faut aussi savoir que je trouve que c'est bien qu'on puisse changer de couleur. Donc on peut acheter d'autres bracelets de couleur. Par exemple ici, vous avez d'autres couleurs. Et le petit bémol par contre pour l'application Verifit Pro, c'est qu'il faut tout le temps synchroniser et que les données ne sont pas automatiquement mises à jour, ce que je trouve légèrement dommage. Mais sinon, c'est nickel. Bon ben, que dire de plus que... Qu'est-ce que vous attendez pour acheter cette montre? On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo unboxing et présentation de mon bracelet vous a plu. En tout cas, moi je suis très satisfaite et je tenais quand même à vous le présenter parce que pour moi c'est comme un produit révolutionnaire en fait. Ça simplifie la vie. Franchement, c'est super génial. Vous trouvez le lien où je l'ai acheté, bah, évidemment sur Amazon, dans la barre d'infos. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram parce qu'on va bientôt finir plus d'abonnés sur Instagram que sur YouTube. Donc pareil, lien en barre d'infos, et si vous avez des questions, bah, vous me les posez en commentaire. En tout cas, vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu et la partager si vous pensez par exemple à un ami qui serait ravi de savoir ce que j'en pense d'un bracelet connecté. Voilà, à samedi prochain, salut YouTube.